Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie d'Oknarfank pour un nouvel épisode de Timberborn. Dans cet épisode, nous allons pouvoir tester notre barrage. Ouais. Bref, on va tester des choses. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, on sait pas. On va le savoir incessamment sous pneu. Ça pompe ça? Oh là là, c'est pas vif hein. Allez hein. Let's go. Les eaux de la mort. Et de la ria. De la moria. Hein? Mais. J'ai encore des eaux infectées ici? Ah ouais. Ok. On ouvre ça. Ok. J'aurais dû ouvrir ça d'abord. Je reconnais mon tort. Je reconnais mon tort. Arrêtez, je reconnais mon tort, j'ai dit. Ok. Ça a l'air de se faire. Mais pourquoi ça dégueule? Mais pourquoi, putain? Enfin, flûte. Mais il y a autant... Oh, ça m'a saoulé. Ça déborde parce que... Ah, putain, parce que ça remonte le flux. Et mangez vos morts. Parce qu'en fait, ça bourre ici. Ah, super. Oh, l'horreur. Ok, ça bourre vraiment... Faudrait vraiment que j'aille bouchonner ce truc, quoi. Ok, c'est ça qui fait que ça déborde. Ah bon, on a encore tout bien flingué, c'était parfait. Hein. Vas-y, coupe, brother. Coupe-moi tout ça. Hein. Coupez tout, tout est mort, allez-y. Hein. On va remettre une plombasse à dépolluer, c'est super. À moins que je supprime un truc. À moins que... Alors peut-être. Les rondins des planches, ouais. On n'est pas tout à fait full en rondins. Récupérez ce que vous pouvez récupérer à l'occasion. Alors ça arrive à pousser? Ah non. Que ça me régénère un peu les sols ici. Ouais, je suis pas sûr. Le problème c'est qu'à partir du moment qu'on a... À partir du moment qu'on a infecté cette zone, on est foutu quoi. Parce que les deux courants se rencontrent ici. Et c'est un vrai problème. Ou alors, je dynamite là en fait. Et je fais couper à travers ici. Ce qui est une solution. Hein.
Et je ferme là. Sachant que là, il y a de la pression quand même, hein. Ou tout simplement, je le coupe. Mais c'est-à-dire que je vais circuler plus que de l'eau propre ici et je risque d'avoir un débit. Ah ouais, mais là on a un débit de folie. On a un pur débit de folie. Non, c'est une dingue. C'est une dingue. En vrai, on peut dynamiter. Hein. Non, parce qu'on aime la dynamite. Hein. Mmh. 104 ici, 131 là. Ouais, tout est hyper loin, quoi. Dynamite, je vais retrouver un. Ah, c'est ici. Voilà. Hop. Je pense que je vais me faire un trouillou de deux. Ça sera du plus bel effet. Bon, on va aller jusque là. On va remettre un coupeur de wab. Alors on va virer cette forêt qui est pas belle. Ok, ça c'est pas mal. Full en tronc, donc il coupe plus rien, les gars. C'est comment? Ah, ça y est, ça arrive. Putain, il s'est encore pendant 2 jours et demi. Non mais quel plaisir. Hein. Voilà, là tout sera bien cramé. Hein. Bon, tout est déjà cramé. C'est quoi, c'est pourquoi vous voulez pas me construire ça? Il n'y a pas d'autre chantier de construction à part poser de la dynamite. T'as pas déconné, si? Oui, c'est ça, à part poser de la TNT, il n'y a rien d'autre. Hein. On va tout plomber, let's go. Ah, merde.
Plomber ça, je sais pas pourquoi. On a tout ce qu'il faut, plomber deux. Ça t'occupera, ça fera très joli. Mais c'est que pour une fois on a de la dynamite. Bon, bon, si ça vous dérange pas de me tomber un bout de bois ou deux, tant qu'on y est. Hein. Bon, on consomme pas assez de bois. On n'a plus tellement de problèmes de bois de toute façon. On refera la zone de coupe à l'occasion. On va laisser l'endroit se retaper un peu. Ouais, si en vrai, vas-y, je vais tout remettre. Hein. On verra bien quand on y sera. Et ben c'est fait pour la TNT, c'est bon ça. Boum. Y'a plus qu'à me plomber tout ça. Par contre, ça m'arrange pas très beaucoup cette grosse zone. Tac. Voilà. Bon, on va faire ça. Et on va plomber ça. Terminé. On va finir par trouver une solution. Hein. Tangible, réelle. Est-ce que je suis un débile? Ah oui, ouais, bref, ok, parce qu'il y a des chantiers en cours partout. Ok, ok. Ah ça n'a pas été atteint. Qu'on n'est pas obligé de faire ça. Hein. On peut faire ça. On a même raté l'occasion d'en faire des caisses. Je crois qu'il faut qu'on les espace de 3. Hein. Ah non. Mais si, je pense pas que ça passe.
Je vais tout de suite faire les raccords, on va les gérer autrement. Mais néanmoins, on va essayer de faire ça intelligemment. Donc, tout ça, c'est pas prioritaire, ça non plus. Ça non plus. Ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est prioritaire. Et alors honnêtement, cette partie-là, je m'en pète. Voilà, comme vous voulez. À ça, j'ajouterai. Voilà, je pète ça, je vous dis, allez-y, récupérez-le. Et surtout, hop. Petit ponton route. Voilà. Petit ponton route du plus bel effet. Et vous pouvez me récupérer ça. Il y a quand même 25 rondins. Vous arriverez à en faire quelque chose, je pense. Vous êtes des grands gaillards. Des grands gaillards débrouillards, en plus. Y'a rien à pomper? Je suis pompe de l'eau affectée, vas-y mon gars, régale-toi. On va pouvoir bientôt se débarrasser de toi. Regarde ça. Voilà, on est en train de tout verdir. Niveau d'essence, ça repart dans l'autre sens, c'est formidable. Ok, c'est beau. Du coup, ce barrage sert un peu à rien. On va pas se mentir. C'est un peu franchement inutile. Mais bon, ça permet de compléter tout ça. On va pas se plaindre. Ok, ok, ça reverdit un certain nombre de choses. Ah, c'est pas mal. Ah, ça s'évacue pas hyper vite, mais bon. Ça repousse un peu, hein. C'est en train de refluer. Pourquoi ça reflue? Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas refluer. On a la largeur nécessaire. On a un trou de 2. Il n'y a pas de raison de refluer. Bah on va faire un barrage. Hein. Ouais, on va refaire un barrage. Hein. À force de faire des barrages, des écluses au bout d'un moment, peut-être qu'il va comprendre qu'il est plus bienvenu, ce petit jus là. Ouais, je vais le caler ici, hein. Je vais pas réfléchir pendant 107 ans. Hop. 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 Faites ce que vous voulez. Passez par où vous voulez, sauf là. Je suis pas très arrangeant. En même temps, cette route est une hérésie, elle devrait même pas exister.
pas l'air joli mon histoire là. Ça partait bien, c'est en train de mal tourner. Mais ça partait bien en début. Hein. Ça on en a plus besoin de ce morceau de route là. Hop, je vais le supprimer. Ok, on est pas mal. Bon, ils sont occupés à placer de l'acier. En vrai, l'acier est en train de descendre très très vite. Hein. Ah, il est bien affecté cette eau. Hein. Et elle est toujours pas sortie. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'autre pompe là. Les deux autres pompes. Ouais, tu vas être obligé de pomper ici. On va essayer de tout sortir. Je laisse volontairement la sécheresse se faire. J'ai envie de te fermer au max, mais... c'est pas forcément la plus sage de mes décisions. Toujours pas amené. Le petit bout de dynamite. Oh, vous déconnez, c'est juste un petit bout de dynamite à amener. Amenez-le. Après cela. Un jour ce sera bouclé. Hein. Un jour on sera plus tué par, par du poison. Un jour on sera le meilleur dresseur. Alors avec trois pompes, la pression reste stable. On aura juste plus d'eau. Voilà. À mon avis, on aura quelque chose de plus stable. Ça coule. Ça coule, mais ça hydrate pas les sols, quoi. C'est quoi ce drame? On a été en galère d'eau à ce point-là? Je suis juste en train de remplir un petit trou. Ouah, remettez de la pression, au secours! Il n'y a pas de haut. C'est vrai qu'officiellement, on a deux réseaux. Ah, il serait peut-être temps d'ailleurs d'en faire qu'un à l'occasion. Mais pour ça, ouais, il faut avoir une trentaine de dynamite en réserve pour ça. Son lui a 1.5, donc il versera si jamais il y a trop de pression. On se fait un petit réservoir discret. Ouais, ici je suis chaud pour dynamiter. Hein. On va dynamiter. Hein. J'ai même envie d'aller dynamiter jusque là et faire un petit réservoir genre profond où il y a un peu d'eau, mais bon, ça sert à rien de faire trop profond de toute façon.
Oui, il va falloir à un moment donné supprimer ce chemin. Oula. Oula, j'ai pas d'ordre de prio là. Au secours. Faites plus jamais ça, Zinedine. C'est vraiment les derniers trucs qu'il faut faire. Hein. Ouais, non, non, ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est un problème, les gars. Vous voulez pas faire autre chose de vos villes, hein? Genre. Genre, dynamitez-moi ça. Genre, me dis pas que ça, vous pouvez pas l'atteindre. Hein. Voilà, ça, c'est ultra prio. Vous venez gommer ça. Ça, ça. On va récupérer toutes ces ressources. Tant qu'à faire. Voilà. Me supprimer ça. Merveilleux. Me dynamiter tout ça. Voilà. Et donc, on peut les remettre. Hop. Celles-ci sont prioritaires. Bon, elle fait le barrage au bout. Ah ouais, non, toujours pas. Oh, ils sont là, ils sont en mission dynamite. Hein. Cette passerelle, j'ai envie de la laisser en fait. C'est un peu un chemin de traverse. Je l'aime bien. J'ai presque envie de le faire courir partout. Sur mon blindage. De courant. Si je fais ça, ça descend ou ça descend pas? Ça descend pas du tout. C'est génial. Bon bah reste fermé. Même si même si j'ai bien envie de pousser pour nettoyer. Voilà, comme ça on cligne un peu. C'est propre, c'est joli. On ferme là et on n'en parle plus jamais. Voilà. Ah! Bah, sauf que toujours pas en fait.
Il ramasse pas de dynamite par terre. Ah si, enfin, c'est pas trop tôt. Voilà, petit à petit ça va s'assécher. Hein. Est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne pense pas. Voilà. Bon, bah c'est un projet qui va finir par voir le jour, ça. Hein? Comment ça? Est-ce qu'on n'a pas envie de supprimer tout ça pour agrandir la cuve d'un bloc? Moi je pense que si. Hein. Hop. Diggy diggy hall. Ouais. Tout simplement. On a une belle profondeur. Hein. Pétard. On a bien creusé. Hein. Ah bah ça y est, ils l'ont fait. Tac. Bon, c'est bien, ils sont en train de le faire. Ça va se boucler tout seul. Impeccable. On a des petites chaînes qui repoussent ici, c'est formidable. C'est beau. De toute façon là... Ah non, vous êtes même pas à 100%. Non mais charbonnez les gars, faites un effort aussi là. Non mais vous avez toute une zone indue juste pour vous quoi. Juste pour 3 pompes. Pour 3 pompes. Franchement, tout ce que vous avez pour 3 pompes. Il y a beaucoup de gens qui seraient jaloux. Hein. Oh ouais, hein, tournez un peu. Hein. Oh ouais, faites pas semblant. Hein. On vous voit, hein, essayer de tricher. Hein. Bosser. Hein. Est-ce que... Pourquoi? Ça pompe trop? Y a trop de pompes? Y'a encore de l'eau polluée ici? Non, c'est une blague. Y'a plus d'eau polluée là. Y'a plus d'eau infectée. Allez, ça dégage. Récupère-moi tout ça. Là, ce qui va nous intéresser, donc, c'est se rajouter. On va exploiter la place. Hein. Mais pourquoi il veut pas mettre l'autre là? Hop, on va venir se mettre. Donc les deux douches. Sauf qu'on a gagné un poil de place, j'ai envie de dire. Alors vraiment un poil lourd. Hein. C'est une histoire de poilon, j'ai gagné un poilou, mais ça me permet de remettre le caster. Et quoi? Un caster accueillant. Un caster qui regarde les gens venir se doucher. Voilà. Je me suis tout fait tirer. Oh. Bon, j'étais pas prêt. J'étais en train de me dire, c'est, je vais encore galérer pour leur demander de ramasser leur truc là.
Non, non, ils m'ont fait ça vite. Ça veut dire que vous, je peux vous remettre en marche. Hein. Let's go, hein, retour au boulot. Si je le pète, je pourrais quasiment décaler ce lido. Allez, il y avait trois douches et il me resterait un petit banc de terre. Ouais, bon, on va juste mettre une douche. Hein. Voilà. Alors, on va juste mettre voilà, un pied là-dedans. Voilà, et puis on va mettre une douche au bout. Pourquoi je fais tout ça alors que c'est pas nécessaire? Mais parce que j'ai trop de bois. Tout simplement. Voilà, parce que je peux me le permettre. Parce que je dois me le permettre d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup trop de bois. Donc il faut le faire. Il faut que je dépense du bois. Ok, bah impeccable, c'est secos ici, c'est cool. Et ici, ça veut s'étaler par là, c'est bon, c'est un peu chiant, mais bon. Oui, c'est un peu chiant. Ce qui règle pas notre problème. Ça règle pas notre problème. Il y a des bâtiments qui manquent de matériaux. Oui, ferraille. Suivant. Ferraille. Suivant. Jaunet. Ouais, vraiment, oui, effectivement, les trois seules ressources qui nous manquent. Enfin, les deux seules ressources qui nous manquent. Il est vrai. Ça ne règle pas notre problème. Pour régler notre problème. Pour régler notre problème, il faudrait. Il faudrait que l'on. Ramassez ça, laissez pas traîner les trucs par terre. Genre, on a trop d'extraits. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour régler notre problème, il faudrait qu'on coupe la vanne de produits toxiques. Ce qui est faisable. Hein. C'est faisable. C'est faisable et on va le faire. Hein. Tant pis. Hein. C'est où? C'est dans l'eau. Ah sinon je crois que lui on peut l'ouvrir et le fermer manuellement, je crois que ça m'intéresse. Il n'y a pas de sens à ce truc. Hein. On s'en fout. Hein. Ouais 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 vas-y pose-en, hein. Comme ça on testera. C'est ça, hein, on peut choisir ouvert, fermé. Ok. Ok ok parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais bien me faire ça en urgence hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de jours. Par contre, sans bloc de métal, on n'a plus du tout. On est raide. On est sidérurgicalement parlant raide. Ok. Oh merde, j'ai oublié de dynamiter ce truc. Dynamitez-moi ça. Flûte. Vite. Super méga vite. Métal, il me faudrait la mine, je vous prie.
La mine qui va être extrêmement longue à construire. Bien sûr. Ouais. Pas un castor qui peut venir me dynamiter ça là vite fait là. Vite fait là. Non sérieux là. Eh. Oh. Le nouveau son de Mano. Eh oh. Oh les mecs ils ont eu rien naf. Boum. C'est moins loin d'un coup. Juste pour une dîne, il y a personne qui a réussi à se libérer. Vraiment. Genre vraiment, c'était la dynamite de trop. Mais je m'en fous, ça. Ah, c'est moins prioritaire que ma dynamite. Vous pourrez pas le terminer, donc on s'en fout. Ah, je le mets même en normal. Arrêtez vos conneries. Arrêtez ça. Je veux pas perdre de temps, donc oui, je vais en mettre un, 2, 3, 4 ici. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Ça, c'est prioritaire. Je suis comme ça. Let's go. Arrêtez avec ce truc là, vous avez pas ce qu'il faut! Ah oui, ça permet de virer des planches, on est très content. Youpi, on doit avoir probablement des planches qui traînent par terre, qui vont être très contentes d'être ramassées enfin. Mais ça n'excuse pas tout. Arrêtez. Voilà. Voilà, découper, découper. Voilà, c'est beau ça. Ça fait plaisir. On a deux doigts que ça déborde, hein. Ça va, on a de la marge. Grosse marge, grosse marge. Grosse marge. Sécheresse. Ça s'est très bien passé. Phew. Oula. Oui, non. Ok, laisse couler encore un peu. Reste tranquille, reste tranquille. Waouh, les gars, m'a fait peur. Je pense qu'il est grand temps de mettre fin. J'ai fait de nouveaux chemins, donc je pense qu'il est grand temps de dynamiter cela. Et de dire que ça, c'est vachement urgent, quoi. Allez, faut se dépêcher, faut poser de la TNT, les gars. Parce que là, actuellement, vous faites des grands tours, hein. Ouais, ouais, ouais. Une TNT, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, il se passe des choses. On y est presque, hein. Allez, encore un peu de volonté. On pousse un peu. On est pas mal, on est pas mal. On va pouvoir créer une brèche. J'ai créé une brèche. Tac, on couvre. Je vous dirais bien que c'est le même niveau de priorité, mais c'est le même niveau de priorité. Hop. Et voilà, officiellement le réseau n'est plus qu'un maintenant. C'est-à-dire que si on a vraiment un débordement des eaux toxiques, on va vraiment être dans la merde. Sereinement mais sûrement. Voilà. Bon. Après, vous pourrez calmer un peu vos ardeurs de travailleurs, bien sûr. Ah, ça me pompe, hein.
Ça me la pompe, hein. Du coup, notre irrigation continue comme s'il ne s'était. Comme s'il n'y avait pas de désert, quoi. Comme s'il n'y avait pas de problème. Bon, en dehors du mec qui a probablement tout fauché, là. Oh là là, on a un plantiste qui a réussi à tout replanter, c'est beau ça. En fait, tu peux te mettre à zéro et vivre avec ta réserve d'eau. Hein. Elle est magnifique, hein. Elle est belle. Et nous, on pompe. Hein. Donc là. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en gardant lui fermé, on irrigue tout avec nos trois pompes. Puisque maintenant, on irrigue par ici la ferme. Et bah, au calme, en fait. Hein. On a un léger flux qui vient à nous. Ça veut dire qu'on pompe pas assez. Normalement, si je me mets comme ça, je suis censé avoir plus d'eau ici que là. Parce que maintenant, je pompe là. Enfin, je pompe et j'envoie de l'eau ici. Par deux endroits en plus, hein, ça c'est cool. Normalement, y a plus de problème quoi. TNT ici aussi. Hein. Quand ça découpe le métal en masse. Hein. Sérieux, on a à ce point-là qu'on a plus de planches, plus de bois, plus rien. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Ça, heureusement, ça va nous piquer quelques rondins, mais ouais, les planches. Bon, allez, je les enlève. Et voilà, on va pouvoir exploiter du métal à l'infini. Nos problèmes de métaux sont réglés. Voilà, ça que ça fait plaisir. Alors, comment est ce niveau d'eau? Correct. Je sais pas s'il est beaucoup plus élevé qu'à côté, mais... En même temps, je suis qu'à 0,5. Hein. Si j'étais à 1, si je ferme... Ouais, mais fermer m'intéresse pas parce que ça veut dire que l'excédent va s'écouler de ce côté là et que ça m'intéresse pas que ça s'écoule de ce côté là. Voilà. Ah bah on arrive sur la fin. On arrive sur... bah on a plus d'eau. On ne pompe plus d'eau. Oui, le niveau d'eau est radicalement bas.
faisant disparaître tout. Masquer l'eau. On peut masquer l'eau. Je vois pas l'intérêt. C'est marrant ça. Mais bon. Let's try un jour et demi comme ça. Ça va le faire. On sera peut-être obligé de remettre un peu d'eau là-dedans, mais ça va. Hein. Ah oui, ça commence à manquer d'eau. Ouais, ça commence à manquer d'eau. Hein. Oui, ça commence à manquer d'eau, ouais. Et pourquoi lui, du coup, il coule plus rien? Il devrait continuer à couler des choses. Donc ça, c'est une écluse fermée. Ok, ça, c'est une écluse fermée. Moi, je me rajouterais bien une écluse fermée ici. Hop. Voilà. Ça mange pas de pain, ça évite de contaminer les terres. On est très très content de l'avoir. Ça n'a pas de sens de faire ça. C'est débile. Voilà. Hop. Voilà. Ça veut dire qu'on pourra se commencer à se mettre à blinder des côtes à l'infini comme un gros débile. Hein. Hop, toute cette côte là, on va pouvoir la blinder. Bon, ici c'est pas blindé, mais je sais pas trop. Faudrait blinder ce côté là, en vérité. Ça s'appelle la flémingite aiguë. Voilà, une belle démonstration de flémingite aiguë. Ah oui, parce que même quand il y a sécheresse, même lui il arrête de couler, je suis bête. Eh ben oui. Mes barrages ils ont pas trop besoin de bouger, à part lui qui n'est plus nécessaire, mais bon il est là, il a son petit swag, il est stylé. On va le laisser ouvert d'ailleurs. On va le laisser full ouvert. Ça ne sert plus à rien. Mais on l'aime beaucoup. Il est sympa. On va le remettre à 2,5. On est très bien. On est quand même alimenté tout ça en eau. Certes par 3 pompes, mais un seul bloc qui libère de l'eau. Pas plus. Je goutte par goutte. Bon, après avec beaucoup de pression, on fait des choses, quoi. Ah. Ouais, bah du coup, ça repart. Hein. Ouais, ils attendent des blocs de métal. Hein. J'avais pas posé des TNT quelque part à faire péter, je sais plus. J'ai rien à faire sauter pour une fois. Oh, c'est presque décevant, dis donc. D'avoir rien à faire sauter.
C'est un peu triste. Oh, merci de me faire profiter de la radiation jusqu'ici, quel plaisir. En termes de prio, est-ce que vous pourriez faire genre ces deux petits blocs vite fait là? Genre vite fait. Sinon on va repartir sur des journées de 18h, hein, ça me pose aucun problème. Hein. Let's go les flammes de l'industrie, hein, plus vite, plus fort. Hein. Je veux même pas en entendre parler. Hein. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas une option genre brûler tout. Genre en mode catastrophe, tu demandes à tes castors de brûler genre les planches, les livres, tout ce qui traîne quoi. Les cartes perforées. Bon bah impeccable, ça y aurait plus qu'à attendre que ça sèche. Même pas, j'ai plus qu'à l'ouvrir pour que ça s'écoule. Ah ça va tourner au ralenti pendant un petit moment. Faut que ça s'écoule. Ah c'est l'arrêt complet, ça y est, ok. Bon. Non mais ça s'écoule. Ah ouais non, ça y est, ça s'écoule plus. Ok, bon ça veut dire que ça va s'assécher, hein, ça s'écoule plus. Au moins là on a de l'eau ici pour faire tourner les flammes de l'industrie. Oh, c'est impeccable. Tout le reste va sécher tranquillement. Même lui je pourrais l'ouvrir. Non, faut que je le ferme parce que justement l'idée c'est qu'il aille pas contaminer le reste des terres. Ok, ok. Non, on est pas mal, on est pas mal. Par contre, j'ai pas bien blindé cette zone, mais bon. Pour l'instant, on a rien dans cette zone, je veux dire, on est en train de surprotéger alors que. Je mets même pas d'eau ici, j'ai pas de ferme ici, j'ai rien. Est-ce que finalement ici je devrais pas dynamiter, plomber la côte et faire enfin la ferme ultime maritime au milieu là, aquatique, d'un mec qui se régale. Ça serait un peu stylé. Ça serait un peu stylé. Bon, je crois que l'eau est revenue. Hein. Ça y ressemble. Ça ressemble à des gens heureux parce qu'ils ont de l'eau. Ça ressemble à des gens qui ont gagné 12 heures de travail par jour. C'est beau. C'est beau. Il n'y a plus qu'à transporter du bois. Let's go. J'ai quasiment tout débloqué en tech, hein. On n'a pas fait la plateforme en métal, mais je... Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'utilité réelle à cette plateforme en métal. Pas qu'on l'aime pas, hein. Mais bon. Les ponts aussi, je trouve pas ça utile, à moins que ça me permette de mettre des plantations dessous, des choses comme ça, mais pareil, pas trouvé de... d'intérêt majeur au pont. Voilà.
Après, oui, il y a peut-être moyen de faire des cultures ou des constructions dessous, du coup, c'est peut-être sympa, mais ça me paraît un peu surcoté, quoi. Évacuation de liquide, bon bah, on va le payer. La petite éolienne. Ça, on va en avoir besoin de la centrale à gravité, hein. Ça fait partie des vrais projets industriels du pays. Et bien sûr, les raffineries, les robots et tout ça. Hein. Ça fait partie, voilà, le bain de boue. Je le débloque pas tout de suite. Ça fait partie des vrais projets qu'on va avoir à gérer. Oh, c'est quoi? J'ai envie de rigoler. C'était où? Wow. Je vais juste en mettre un là, ça me fait plaisir. Juste un, comme ça. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie de le mettre là. Il est très beau. Ah, ou alors... Non, c'est nul. J'allais encore le hisser plus haut, mais non, c'est nul. Juste le mettre là, c'est rigolo. Moi, je pourrais lui faire un méga trou dans le sol pour descendre le plus profond possible. Allez. Allez, on va jusqu'au bout de notre connerie. Oh, faites-moi un méga trou ici. Voilà. C'est rigolo. Bon, bah, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Hein. On va attendre les prochaines eaux toxiques. Ah, c'est beau. C'est beau. Ça contamine plus, ça détruit plus, c'est magnifique. C'est splendide. On aurait envie d'un petit pont ici, là, mais... Ah, mais il y a déjà un petit pont, là, mais je dis des conneries. C'est magnifique, merveilleux. Oh là là. C'est beau. C'est beau. C'est beau, Polo. Je sais pas ce qu'il fabrique, mes gars, toute la journée, mais... On va amener 3 planches. Fin de service, tellement c'est loin. Bon, bah, sur ce, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour... les petits castors, là, hein. Timberborn, et je vous dis à la prochaine. Ciao.